Salut à tous, c'est encore Sarah Jim et aujourd'hui, vidéo tutoriel. Et cette fois-ci, ça m'a été demandé par mon gym. Net. Donc, c'est parti pour la vidéo. Bon, on va commencer directement par le conseil du jour. Voilà. Donc, le conseil du jour, pour bien réussir sa souplesse avant, c'est d'ouvrir, d'être bien ouvert aux épaules. Ouvert en épaule. Je vais vous montrer ça tout de suite. Être ouvert en épaule, c'est cela. Vous partirez une jambe et vous serez bien ouvert en épaule. Comme ça, pour pouvoir revenir. Bon, on commence là. Esprit. Tout d'abord, le pont. Conseil très important, habituez-vous à arriver une jambe. Les deux pieds serrés, vous aurez très du mal à revenir, à part que vous voulez faire un truc différent, mais ça ne sera pas une souplesse avant. Donc vous arriverez, vous serez une jambe, la jambe bien dans l'air, comme ceci. Ouvert en épaule, le pied devant, et là c'est juste une question de ramener. Ramener le pied devant et le corps. Pour ce qui est de partir, ça doit être très contrôlé. Vous êtes là, vous êtes en équilibre, vous êtes à bras aux oreilles, en fente. Vous partez, ça doit être très contrôlé. Une fois que vous êtes là, vous allez ouvrir, arriver, et après vous n'avez plus qu'à faire l'arrivée. Je refais. C'est surtout à l'équilibre que vous allez surtout ouvrir en épaule. Vous êtes là. Vous partez, vous ouvrez en épaule quand vous êtes à l'équilibre là, posez le pied et vous avez juste à revenir. Bon, un petit peu raté. Après, quand vous êtes au pont, c'est pas très compliqué, il y a juste à ramener. Moi, pour la réussir, je vous conseille que quelqu'un vous tienne quand vous êtes au pont, quand vous êtes comme ici. Qu'elle vous tienne ici au niveau du dos pour vous faire ramener. Après, c'est juste une question de ramener la jambe. Mais comme je l'ai dit avant, c'est de surtout pas faire descendre la jambe. Il faut bien contrôler votre descente. Vous êtes là, vous contrôlez. Bon, un peu raté. Contrôlez l'équilibre, descendez et ramenez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste là. Clique dessus. C'est pas dangereux. Enfin, je crois. Et comme avant, tu peux mettre un petit j'aime et que tu sois sur YouTube. Enfin, YouTube. Ou Facebook. Et tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook. Et Twitter. À toi de jouer. Et le mot de la fin est Paris. Paris.